level 1313. Catch a deep breath. It'll be the last fresh air you'll get for a while. Fresh air is overrated. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs jeux qui avaient le potentiel d'être remarquables, mais qui ont malheureusement été annulés. Les joueurs n'ayant jamais eu la chance de jouer à ces nouveaux titres prometteurs, il est impossible de dire s'ils auraient pu se vendre à des millions d'exemplaires, ou même lancer de nouvelles franchises. Connaissez-vous d'autres jeux qui ont été annulés avant d'avoir leur place sous les feux de la rampe? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, LMNO. Steven Spielberg est peut-être un titan de l'industrie cinématographique, mais même avec des succès dans le domaine des jeux vidéo comme Medal of Honor et Dig, ses tentatives n'ont pas eu le même impact que ses films. LMNO aurait été centré sur une extraterrestre nommée Eve, échappée d'une installation gouvernementale, et sur les tentatives pour la capturer. Le jeu voulait que les joueurs développent un attachement émotionnel à Eve, tout en utilisant des mouvements de parcours pour échapper à ses poursuivants. Les décisions et les actions du joueur auraient affecté la relation entre Eve et le joueur au fur et à mesure de la progression de l'histoire. On ne sait pas grand chose d'autre sur le titre, qui a été discrètement annulé. La plupart des informations dévoilées viennent d'un documentaire sur Arkane Studio. Numéro 9, Mega Man Legends 3. Malheureusement, cette trilogie s'inscrit dans une longue lignée de trilogies de jeux vidéo qui ne seront jamais terminées. Les deux premiers opus de la série Mega Man Legends offraient aux joueurs une vision différente du célèbre Blue Bomber au niveau du gameplay et en passant à la 3D. La série Legends conservait le gameplay de type run and gun, mais élargissait aussi la palette de mouvements de Mega Man, permettant une exploration plus ouverte. La série avait connu un succès modeste et un troisième opus avait été annoncé pour la Nintendo 3DS en 2010. Cependant, peu de temps après, le créateur de la série, Keiji Inafune, a quitté Capcom. Et bien que le développement devait se poursuivre, le jeu a finalement été annulé en 2011, laissant à tout jamais les fans sur leur faim après le cliffhanger du deuxième jeu. Quel dommage. Numéro 8, StarCraft Ghost. La série StarCraft est connue dans le monde entier pour son gameplay tactique et son histoire captivante, à un point tel que les deux premiers jeux de la série sont encore joués en compétition à ce jour. StarCraft Ghost aurait été un changement radical pour la série, adoptant une approche à la troisième personne, orientée vers la furtivité et l'action, au lieu de l'interface stratégique habituelle. Why don't you come back here and sit with the real man? Bien que de nombreux détails de l'histoire restent inconnus à ce jour, les séquences divulguées montraient un jeu impressionnant, utilisant une myriade de gadgets qui rendraient Sam Fisher de la série Splinter Cell jaloux. Bien qu'une raison définitive de l'annulation n'ait jamais été donnée, le succès de Blizzard avec la franchise World of Warcraft et les nouvelles consoles qui se profilaient à l'horizon à l'époque du développement pourraient avoir conduit à ce que le jeu ne soit rien de plus qu'un vaporware. Let's roll. Numéro 7, Star Wars Battlefront 3. Pour être clair, je parle de Battlefront 3 de Free Radical Design, et non des récentes versions d'EA dont je suis presque certain qu'il y aura une troisième entrée dans un avenir proche. Les deux premiers opus de la série, développés par Pandemic Studio et LucasArts, ont été des succès commerciaux et critiques. C'est donc tout naturel qu'un troisième opus de la franchise ait été mis en production, mais avec Free Radical Design remplaçant Pandemic Studio. Le titre devait pousser la série plus loin, tant au niveau des graphismes que des scénarios de combat. Cependant, le mauvais accueil réservé au dernier opus de Free Radical à l'époque, Haze, a poussé LucasArts à revoir sa position et à annuler non seulement Battlefront 3, mais aussi le projet de Battlefront 4 avec le développeur. Mais c'est un local.
Numéro 6, Cranking the Weasel. Bien avant que Cuphead ne captive les fans avec son animation dans le style des années 20, il y aurait pu y avoir Crank the Weasel. Ce jeu se voulait être un Conker's Bad Fur Day un peu osé, un peu irrévérencieux, avec les joueurs dans la peau de la fouine du titre, dont le but était de voler et de causer autant de chaos que possible afin d'obtenir assez d'objets pour gagner un tour à Pleasure Island. Le jeu devait initialement sortir en 2003, mais a été annulé sans trop d'explications juste avant sa date de lancement. Heureusement, les joueurs intéressés par ce titre peuvent expérimenter une petite partie du jeu grâce à l'artiste principal, Eric Browning, qui a publié une courte démo pour PC en 2017. Numéro 5, Prey 2. Le jeu original Prey était un titre phare de la Xbox 360 de Microsoft. Son gameplay de type portail a séduit les joueurs un an avant que le jeu Portal de Valve ne lui vole la vedette. Malgré son succès commercial, la série a été mise de côté jusqu'en 2011 lorsque Bethesda et le développeur original Human Head Studio ont dévoilé la suite. Beaucoup plus ambitieuse que son prédécesseur, vous deviez jouer dans un monde ouvert un ancien Marshall américain devenu chasseur de primes intergalactiques après que son vol ait été interrompu par l'invasion extraterrestre du premier jeu. Your reputation precedes you. Malgré une annonce plutôt bien reçue, Bethesda finit par annuler la suite, déclarant que le jeu ne répondait pas à ses normes. Ouais. Ah, y a une blague à faire sur Bethesda et ses standards, je le sens. Ah, je l'avais presque, mais elle est passée à travers l'environnement avant que j'ai eu la chance de la raconter. Si un nouveau jeu intitulé Prey était publié par Bethesda et Arkane Studio, le titre ne présentait aucune similitude avec le précédent opus de la série. Numéro 4, Fable Legends. Brave, noble, capable of self-narration. Voilà un des rares cas où un jeu a été annulé pendant sa phase open beta. Fable Legends était prévu pour opposer les joueurs les uns contre les autres dans des arènes multijoueurs, un joueur jouant le rôle du méchant qui tend des pièges aux 4 héros qui envahissent son repère. Le jeu a eu un long développement, étant annoncé en 2013 et ayant une date de sortie prévue pour l'été 2016. Le titre semblait intéressant, mais après avoir attendu si longtemps une nouvelle entrée dans la série Fable, la réponse des fans à la bêta a été au mieux médiocre. Et ce manque d'enthousiasme a sans doute affecté le sort du jeu. Mais espérons-le, les fans verront leurs attentes récompensées lorsque le jeu de Playground Games sortira sur la Xbox Series X. Not all stories have happy endings. Numéro 3, Scalebound. Ah, Microsoft, je vais juste vous donner un conseil, hein. Si votre console manque de titres exclusifs, n'annulez peut-être pas celui pour lequel tout le monde a hâte d'acheter votre console. Ce jeu aurait vu le joueur faire équipe avec un compagnon dragon, laissez-moi le répéter, votre propre dragon, hein, qui se serait battu à vos côtés pour vaincre les nombreux ennemis et boss à travers le monde. Développé par Platinum Games, connu pour Bayonetta et Metal Gear Rising Revengeance, le titre se serait concentré davantage sur des éléments RPG et sur le lien qui se crée entre le joueur et son dragon. Finalement, le projet a été annulé après avoir été retardé, sans que Microsoft ni Platinum Games ne donnent de raison autre que l'impossibilité de réaliser leur vision. Il y a encore de l'espoir puisque Microsoft possède la propriété intellectuelle, mais les deux compagnies semblent avoir tourné la page. Hardly seems like a fair fight. Just one of you against all of us. Numéro 2, Star Wars 1313. «
comme dans la vie, il y a très peu de choses sûres dans le monde des jeux vidéo. Star Wars 1313 avait définitivement le potentiel d'être une valeur sûre. Victime de l'acquisition de la licence Star Wars par Disney, 1313 a été annulé après sa démonstration très impressionnante à l'E3 2012. Le jeu aurait suivi un jeune Boba Fett avant qu'il ne devienne le légendaire chasseur de primes. La démo présentait des mécaniques de combat et d'escalade à la Uncharted et des scènes impressionnantes comme l'attaque et la destruction du vaisseau de Boba lors de sa descente à l'étage 1313 de Coruscant. Let's see how you feel about that after you get 1000 levels down. De tous les projets que Disney a abandonnés, c'est probablement celui-ci qui fait le plus mal. Avec le retour réussi de Boba dans The Mandalorian et même sa propre série dérivée, peut-être aurons-nous un jour la chance de visiter Coruscant et de découvrir ce qui nous attendait à l'étage 1313. Escape pod, what are you doing? This guy's taking the express. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Mega Man Universe. Avant Mario Maker, nous aurions pu créer nos propres niveaux de Mega Man. Tom Clancy's Rainbow Six Patriots, la lutte contre les terroristes locaux, a été abandonnée et a évolué vers Rainbow Six Siege. Battle of the Sith Lords, la montée en puissance de Dark Maul a aussi été annulée par Disney. It was all prototypes, it never really got to the point of it being a full-fledged game. Vous n'avez aucune envie de voir Watch Mojo français annulé, n'est-ce pas? Alors, vérifiez que vous êtes bien abonné à notre chaîne et cliquez également sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos et ainsi ne rien rater. Numéro 1, Silent Hills. Deux noms qui vont absolument parfaitement ensemble, le cinéaste oscarisé Guillermo del Toro avec l'icône de l'industrie Hideo Kojima, associé pour relancer la franchise Silent Hill. De l'or en barre, un alignement de planètes, non? You've been chosen. Le lancement de la démo sur le PlayStation Store pendant l'E3 et le fait de laisser les joueurs le découvrir par eux-mêmes, c'était un teaser de leur vision qui a mis Internet et les fans en ébullition. Malheureusement, leur vision n'a jamais pu être réalisée. Lorsque Kojima a quitté Konami, le jeu a été annulé et Konami a immédiatement supprimé la démo. Kojima s'est associé à Sony pour former Kojima Productions et Del Toro a renoncé au développement de jeu, croyant que tous les titres auxquels il participait étaient voués à l'échec. Heureusement, leur vision a inspiré d'innombrables développeurs et leur influence se fait encore sentir aujourd'hui dans les titres d'horreur modernes. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.